Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, je vais vous montrer comment insérer une note de bas de page sur les logiciels OpenOffice Writer, donc les traitements de texte de la suite OpenOffice. J'ai ici dans mon texte une citation à laquelle je souhaite attribuer une note de bas de page pour lui donner sa référence. Je clique à la fin de ma citation, je mets mon point d'insertion qui est là clignotant. Je retrouve les quatrièmes mots dans les menus en haut, c'est le menu insertion. Je clique sur le menu insertion et vous retrouvez en bas, donc note de bas de page ou de fin de page si vous souhaitez. Je clique sur cette option, j'ai une petite fenêtre avec l'option numérotation automatique et de type note de bas de page. Alors, je fais OK pour confirmer et voilà, il a inséré automatiquement un numéro 1 à la fin de ma citation et également un numéro 1 en bas de la page avec un point d'insertion pour que je puisse écrire la référence. Donc ici, je mets le nom de l'auteur, l'année de publication et les numéros de la page par exemple. Voilà. Juste pour vous montrer encore un exemple, j'ai une deuxième citation qui est ici dans la page suivante. Je clique à la fin de ma citation. Je reviens dans le menu Insertion. Je choisis Note de bas de page. Je clique. Je vérifie, donc numérotation automatique et un type Note de bas de page. Je fais OK. Et voilà, automatiquement, il a numéroté. Donc là, j'ai ma deuxième note de bas de page, donc le numéro 2. Et ici, je peux donner une deuxième référence, donc les noms d'auteur, l'année de publication et les numéros de la page. Vous pouvez vérifier que donc ma citation, j'avais attribué un style particulier, donc un style que j'appelle citation. Et les notes de bas de page, vous pouvez modifier aussi les styles. Vous voyez, les notes de bas de page ont automatiquement un style note de bas de page. Vous pouvez modifier, comme pour tous les autres styles de votre texte, comme je vous ai montré dans les cours OpenOffice, les styles. Alors, pour continuer les notes de bas de page, supposons que à la fin, au milieu de mon texte, donc entre les deux citations, je souhaite rajouter une note de bas de page. Alors, je reviens ici, je positionne mon point d'insertion à la fin d'une phrase et je reviens dans le menu Insertion. Note de bas de page. Donc, je fais OK et voilà, la numérotation automatique a transféré ma note de bas de page. Donc, celle qui était 2 est devenue 3. Et maintenant, j'ai ma deuxième note de bas de page ici où je peux écrire du texte. Donc, il s'agit d'une note de bas de page. Un autre avantage de ces systèmes, c'est que si vous modifiez votre texte, donc vous continuez d'écrire, et votre citation, quand elle change de page, par exemple cette citation qui avant était à la page 5, maintenant elle est passée à la page 6, et la note de bas de page a bien accompagné. Voilà, à bientôt!